Je sais que tu as pressenti ma présence. En fait. Alors dis-moi, comment vont les choses? Parfaitement. As-tu eu le livreur des pistolets? Oui, je l'ai fait. Parfait. 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 Ça s'est passé comme d'hab. Pas vrai? Oui, bébé. Bébé? Tu me manques vraiment. Écoute, tu me manques aussi. Ok, mais tu ne devrais pas oublier que je reste un fugitif. Je ne suis pas censé être vu avec toi. Je ne veux pas te mettre dans le pétrin. Essaye de comprendre ça. Je sais, mais ceci n'est pas juste pour moi. C'est pas facile. Écoute. Mais tu dois te calmer. D'accord? Écoute, nous devons travailler dur. Travailler plus dur pour gagner assez d'argent pour s'en aller hors de ce pays. C'est le plus important. Concentrons-nous sur cet objectif. Gagnons cet argent et voyageons hors de ce pays. C'est le plus important. D'accord, s'il te plaît. Ok. Merci. Alors, je vais m'en aller maintenant. On se parle plus tard. Et reviens là, t'as oublié quelque chose. D'accord. On se parle plus tard. D'accord. Tiens ton téléphone. Je le ferai. Je te rappelle plus tard. Tiens ton téléphone. À plus tard. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je t'ai appelé, je t'ai suivi. Tu as refusé de répondre, même me saluer. Hein? Quel fais-je? Pourquoi me traites-tu ainsi? Pourquoi? Je ne savais pas que tu étais celui qui criait mon nom. Désolée. Ojo, quand je te dis que je t'aime, je le pense vraiment au fond de mon cœur. Je promets, si tu acceptes de m'épouser, hein, je ferai de toi la femme la plus heureuse de ce monde. Je promets. Je t'ai déjà dit plusieurs fois que je ne suis pas intéressée. Hein? C'est quoi ton problème? Je ne suis pas prête à me marier maintenant. Je sais que oui, le mariage est le rêve de toutes les femmes, mais pas pour Ojo. Allô? Tu m'écoutes? Je suis encore au secondaire. Ojo, et voilà, c'est reparti. Ojo, je t'aime vraiment, je ne peux m'empêcher de penser à toi, hein? Je ne peux le faire. L'autre jour, je voulais te parler, hein? Tu m'as malmené. Maintenant que je veux déclarer mon amour, tu me fais passer pour un con. Qu'est-ce que je t'ai fait? C'est quand je vais mourir que tu vas accepter ma proposition, Ojo. Pourquoi me traites-tu ainsi? Qu'est-ce que je t'ai fait, hein? Une minute. Est-ce un crime? De dire que je ne veux pas me marier maintenant, je veux comprendre, hein? C'est quand je vais me tuer que tu vas accepter ma proposition, c'est quoi, non? Hein? Je n'aime pas ce comportement que tu as envers moi, je n'aime pas du tout. Qu'est-ce que je t'ai fait? Hein? Monsieur, s'il te plaît, je ne sais pas si tu ne comprends pas le français quand il fait chaud. Quel est ton problème, hein? Tu me stresses. Oh Dieu, je pense tout le temps à toi, ne peux-tu pas comprendre? Je n'arrive pas à dormir, ne peux-tu pas comprendre? Je t'ai dit que je ne suis pas intéressée, point final, s'il te plaît, quel est ton problème? Oh Dieu. Cette fille, encore, hein? Elle gâche toujours mon plan, mais un de ces jours, je l'aurai. De toute façon, je vais continuer d'essayer, mais je t'aurai. Ekene. Eh, Majidik, comment va tout le monde? Tout le monde va bien, mais personne n'est à la maison, excepté moi. Je ne savais pas que tu es de retour. Oh oui, je suis là depuis plus de 2 semaines, mais j'ai été très occupé. C'est bien. D'accord, je vais aller chercher des collabs. Non, Mazi. Je suis venu te parler de quelque chose de vraiment important. D'accord, je t'écoute. Tout d'abord, je ne peux pas venir chez toi les mains vides. Raison pour laquelle je t'ai apporté ceci, c'est pour toi, papa. Tu es né ici, aucun moyen. Agbaouda, tu es vraiment un fils de ce village. Je suis venu pour parler de quelque chose de très important avec toi. Concernant ta fille, je voudrais l'épouser. Laquelle de mes filles? Oben Ojo, je vais l'épouser. Ah!
hein, ou du moins mou. Mais est-ce que tu lui as fait part de tes intentions? Oh oui, j'en ai discuté avec elle, mais elle pense que je ne suis pas sérieux. C'est pour ça que je suis ici. Pour que tu m'aides à lui parler. Ah, d'accord, sans problème. C'est ma fille. Je sais comment parler avec elle. Je parlerai avec elle et après l'avoir fait, je te reviendrai. Merci infiniment, papa. Ce n'est rien. Merci infiniment, j'apprécierai vraiment. Merci beaucoup, papa. Ah, tu dis que tu es pressé, mais ce n'est pas juste. Tu dois rester assis, je viens te donner la cola, hein? Je... tu dois manger la cola. Aucun problème, papa. Je vais aller garder ceci. Je reviens. D'accord, merci, papa. Un instant, s'il te plaît. Bonsoir, ma chérie. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien, merci. D'où viens-tu? Des études. Je sors juste de chez vous. Tu sors juste de chez nous? Qu'es-tu allé faire chez nous, s'il te plaît? Tu recommences, comme je l'ai dit. Je veux plus qu'une relation avec toi. Odu, je veux t'épouser. Ekene, je t'ai dit que je ne suis pas intéressée. Je ne veux pas me marier maintenant. Oui, mon souci pour le moment, ce sont mes études. Je ne veux pas me marier. Odu, j'ai parlé à ton père de mes intentions avec toi. Attends, si je peux me permettre, est-ce avec mon père que tu veux te marier? Ne suis-je pas celle qui est censée accepter ta proposition? Je sais, mais c'est pour que tu vois combien je suis sérieux. D'accord. Je sais que tu es sérieux, je sais que tu ne plaisantes pas. Mais s'il te plaît, je ne veux pas me marier pour le moment. Je me marierai certainement plus tard, mais pas maintenant. Je dois soutenir. Odu, pourquoi me traites-tu ainsi? Pourquoi? Ekene, s'il te plaît. Je ne suis pas d'humeur à parler de ça pour le moment. Je veux juste que tu te mettes à l'esprit que... Odu ne veut pas se marier maintenant. Je pourrais me marier, mais peut-être plus tard dans la vie. Pas maintenant, s'il te plaît. Ah. Désolée. Qu'est-ce que je peux bien faire pour que cette fille sache que je l'aime? Je vais épouser cette fille, mais rend les choses tellement difficiles. Ah. Au jour même. Papa. Avant que tu ne reviennes, Ekene, le fils d'Eneke, est venu ici. Il est venu ici, dit qu'il veut t'épouser. Papa, je t'ai dit que je ne veux pas me marier maintenant. Je veux poursuivre mes études. Papa, je veux devenir avocate et je ne peux pas y arriver en me mariant maintenant. Je ne sais pas pourquoi tu n'es pas parfois sage. Terminer tes études a quelle importance, hein? Devenir docteur, avocat ou quoi que ce soit. Hein? Tu finiras toujours dans la cuisine d'un homme. C'est où il y a ta place. Alors, quelle est la différence entre te marier maintenant ou après? Ce n'est pas la même chose, hein? Papa, ça fait beaucoup de différence, oui. Quel est ton problème? Où se trouve ton problème, hein? Papa. Ok, maintenant écoute-moi. Ekene, c'est un homme d'affaires qui a réussi. Imagine un jeune homme qui vient voir ton père pour la première fois. Juste pour la première fois, viens avec Lénissi. Lénissi, est-ce que tu as une idée de combien ça coûte? Imagine-toi quand tu lui donneras l'accès libre, que fera-t-il? Ce qui veut dire qu'il viendra ici. En effet, ce village entier ne peut pas contenir ce qu'il viendra avec. Et regarde, c'est aussi un jeune homme vraiment très, très gentil. Nous ne le connaissons pas tous. Hein? Pourquoi ne pas être raisonnable? Papa, je l'ai déjà dit avant et je le dis encore. Je ne veux pas me marier pour le moment. Je suis encore jeune pour me marier. Ah! Pourquoi me marier maintenant, à cet âge? Papa, je suis encore au secondaire. Je dois aller à l'université, puis soutenir avant de parler de mariage. D'ailleurs, ma sœur aînée est encore dans cette maison. Elle n'est pas encore mariée et vous me forcez à me marier. Pourquoi ça doit être moi? Ah! Ma fille... Maman, je suis déçue que tu soutiennes cette conversation. Oui, je ne peux pas croire que tu soutiennes cette idée.
Papa, s'il te plaît, je cuisinais avant que tu ne m'appelles. Je retourne à la cuisine. Hojo, Hojo, elle s'en va nous laissant parler. Tu vois? Naï, elle a raison. Son point de vue ne compte pas. Pourquoi agis-tu ainsi? J'agis comment? Cette jeune fille est très intelligente. Elle finira avec ses études secondaires cette année. Après le secondaire, elle ira à l'université, soutenir et après parler maintenant, du mariage. Écoute-moi. L'éducation de la femme ne sert à rien. Point final. Vraiment? Oui. L'éducation de Ngozi Okonjo-Iweala est inutile, n'est-ce pas? Et Onyekou est aussi inutile. C'est ce que tu veux dire? Ne me donne pas des tels exemples. Devrais-je continuer à citer? Ce ne sont que des exemples inutiles que tu me cites. Tu ne cites que ceux qui font exception à la règle. Qu'en est-il de celles qui ont fini à la cuisine? Pourquoi raisonnes-tu ainsi? Que veux-tu me dire? Pourquoi raisonnes-tu ainsi? Tu me parles de Ngozi, peu importe comment tu l'appelles ou comment tu les appelles. Pourquoi raisonnes-tu ainsi? Qu'en est-il de celles qui ont fini à la cuisine? D'abord, elles avoisinent 1 million celles qui sont allées à l'école et 100 celles qui ont réussi. Qu'en est-il de celles qui à la cuisine? Ta fille, regarde-la bien. A-t-elle l'aide de quelqu'un qui va réussir? Bien sûr qu'elle réussira. Elle ne réussira elle pas. Réussira. Elle finira la cuisine. Non, elle réussira. Je n'en ai pas besoin. Ekene, c'est vraiment un... Ekene, c'est un vrai homme d'affaires qui a réussi. S'il marie notre fille... Ne vois-tu pas ce que l'on va gagner? Pourquoi es-tu si préoccupé par le gain financier? Quoi donc? Il s'agit du bonheur de notre fille, Naï. Ah, quel bonheur! Ne te soucies-tu pas de son bonheur? Le bonheur, c'est le bonheur. Si tu veux être heureux, tu seras heureux. N'es-tu pas heureuse de cette vie? Et tu ne veux pas qu'elle soit heureuse? Elle sera la plus heureuse. Laisse-la donc poursuivre ses études. Lorsqu'elle aura fini avec ça, elle pourra se marier. Tu veux la pousser dans ce... Ekene ne peut même pas s'occuper de lui-même. Combien de fois de nous? Il ne peut pas du tout. Quoi d'autre? C'est à cause d'Enessi. Il est venu avec l'Enessi. Quoi d'autre? Naï, je pense que tu déconnes, Biko. Tout ceci parce qu'on te donne Enessi. Non, que dois-je encore espérer? Foutaise. Il est venu avec de l'Enessi, juste pour me voir. Sais-tu ce que ça veut dire? Si je lui donne la main de ma fille, il apportera tout ce village du vin. Il apportera du vin et des bonnes choses. Vous ne pouvez pas stopper ma prospérité. Papa. Retourne avec cette nourriture, je ne vais pas manger. Papa, pourquoi? Que s'est-il passé? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai dit de retourner avec ta nourriture, je n'ai pas faim. Es-tu sourde? En Guinée. Maman, j'ai apporté de la nourriture et papa dit qu'il ne mange pas. Naï, ne veux-tu pas manger ta nourriture? Hein? Dis-moi, qu'y a-t-il? C'est quoi le problème? Je ne veux pas manger de nourriture servie par Ojo parce qu'elle refuse de se marier. Oh, cette histoire de mariage. Naï, Biko, permets-la qu'elle aille à l'école. Quand elle l'aura terminée, elle pourra se marier. Tu veux la précipiter dans ce mariage? Regarde comment elle est jeune. Elle est encore jeune, non, Biko, non? Oh? Je t'ai entendu. Hein? Je t'ai entendu. Lave tes mains et mange, mon mari. Hein, mon coma? Souris un peu si tu vois à quoi ressemble ton visage. Confus, tu fais tout. Je te comprends. Bien. Et fouir. Non, mais... Oh, Dieu. Arrête de pleurer. Ça suffit, hein? Je sais que notre père peut être insupportable, mais tu dois être fort. Pourquoi papa fait-il ça, hein? Quel est son problème? Est-ce obligé de se marier? Pourquoi m'oblige-t-il à me marier? Je ne comprends pas. Non. Maman, hein? Pourquoi papa se comporte-t-il ainsi envers Ojo? Ça va, hein? Tout est en ordre maintenant. Hein? Oh? Maman, sais-tu comment il a rejeté la nourriture que je lui ai apportée? Hein? Pourquoi papa me traite-t-il comme ça? Parce que je ne veux pas me marier? Hein? Quel âge a Udo? N'est-elle pas ma soeur aînée? Est-elle mariée? Hein? Ça va aller. Vous devez mettre cette pression sur Ngozi et non moi, Biko. Ça va aller, ma fille. Arrête de pleurer. Tu connais très bien le comportement de ton père. Ton père est têtu, tu le sais très bien. S'il te plaît, calme-toi. Oh?
Oju. S'il te plaît. C'est bon, arrête de pleurer. Oh? Hmm? Je suis encore au secondaire et il veut que je me marie. Je veux pas va. Me marier. Je veux ça pas va. Me marier maintenant. Laissez-moi ne pleure pas. Je dois être avocate. Oh, c'est bon. D'accord, maman, je t'ai entendu. C'est bon, arrête de pleurer, oh. Tu connais très bien ton père, il est très dur. Il aime juste oh, faire à sa façon. Calme-toi, ok? D'accord. Arrête de pleurer. Qui est là? Venez débarrasser. Mm. Ah. Ça va aller. Papa. Je ne savais pas que tu étais à l'intérieur. Oui, j'étais à l'intérieur. Tu as fini de manger? Oui, c'était un vrai régal. Papa, s'il te plaît, j'ai besoin de te parler de quelque chose. Oh, tu n'es même pas venu pour débarrasser. Assieds-toi donc. Papa, s'il te plaît, dis-moi. Ne suis-je pas assez belle? Hein? Ne suis-je pas assez belle pour attirer un homme de mon choix? Tu es assez belle, c'est vrai. Alors pourquoi? Tous les hommes de ce village ne courent qu'après Oju, ma sœur. Personne ne vient vers moi. Pourtant, je suis plus âgée que elle et assez grande pour me marier. Oh, c'est une observation pertinente. Et c'est pourquoi ça attire mon attention. Aucun problème, ma fille, je vais y réfléchir. Tu as raison. Oui. Papa, s'il te plaît, essaie d'y réfléchir. Parce que ça a l'air de ne pas être ordinaire. Je vais regarder. Débarrasse les assiettes, je vais y réfléchir. Merci. N'oublie pas l'eau. Jeune homme, qui es-tu? Je m'appelle Henri, monsieur. D'accord? Je viens du village voisin. J'ai vu votre fille tout le long du chemin, j'ai essayé de lui parler, mais elle ne m'a pas prêté attention. Sérieusement, écoutez, monsieur. J'aime votre fille et je voudrais l'épouser, si vous l'acceptez. Oh, que dites-vous? Permettez-moi de nous trouver deux chaises. Eh oh, tiens. Ah! Merci, monsieur. Hey! Merci, monsieur. Asseyez-vous. Merci. Une minute. Prends place. Merci. Hey, soyez le bienvenu. Merci. Vous êtes le bienvenu. Il y a un adage qui dit que lorsque l'homme atteint sa majorité, ce n'est pas une abomination. Vous avez tout à fait. Ce n'est pas une abomination. Tout à fait. C'est juste. C'est-à-dire, quoi que vous fassiez et que vous savez que vous êtes à la hauteur, ça montre que vous êtes responsable. Oui. Vous comprenez? Vous êtes en effet un homme responsable, soyez le bienvenu. Merci. J'ai pensé que ce sont tous ces gars quand ils voient une femme. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je dis? Je vous comprends. Vous êtes vraiment responsable. Oh, je suis tellement heureux. Vous savez, ma fille, c'est une fille naïve, très très naïve. Vous savez, je l'ai très bien éduquée. J'ai mis la crainte dans sa tête. Je peux le voir. Je veux par là dire qu'elle est encore vierge. D'accord. Elle est ici, vous comprenez? Oui, c'est oui, pour ça que oui. Vous la voyez de cette façon. Oui, soyez le bienvenu. Merci. Vous êtes le bienvenu. Votre intention est tout à fait juste. Je suis sûr. En plus d'être responsable, vous êtes d'une bonne intention. Donc, je vous considère maintenant comme mon futur, hein? Mon officiel. En effet, je vais officiellement vous voir comme mon futur beau-fils. Honnêtement, je suis très reconnaissant que vous m'ayez accueilli chez vous. Je vous en prie, je veux que vous sachiez ceci. C'est ma fille. Hmm? Alors ne vous inquiétez pas. Hmm? Ne vous dérangez pas. Je vais l'appeler et je vais lui parler.
Je vais enlever cette peur en elle parce que c'est une fille vraiment naïve. Elle a peur de tout, elle ne sait rien du tout. Après lui avoir parlé, hein, laissez-moi 3 jours, hein. Revenez et vous verrez ce qui se passera. Merci, donnez-moi une minute, je reviens. D'accord, sans problème. Je te remercie. Merci, mon Dieu. Ah, monsieur, je sais que c'est très petit, mais ce n'est qu'une liasse de 100 000. Utilisez-le pour votre cola. Petit, vous dites? Oui, que je sais. Puisse faire avec ça? Essayez de faire avec, c'est pas grand-chose. D'accord? Il y en aura 100 plus. 100 000 naira. Mon fils, merci beaucoup. Je ne sais comment te dire merci. Ce n'est rien. Hein? Rien du tout. Alors, ce n'est que le début. Hey, mon fils, merci. Comment avez-vous dit que vous vous appelez? Henri Ogoza. Henri Ogoza, mon beau-fils. Henri Ogoza, mon beau-fils. Je suis si reconnaissant. Ah, monsieur, je dois partir. Il se fait tard. D'accord. Le soleil commence à se coucher. Vous êtes mon beau-fils. Je vais devoir partir. Mon beau-fils. Je reviendrai la semaine prochaine. Merci, mon beau-fils. Merci, monsieur. Merci, mon beau-fils. Tu la reverras très bientôt, ne t'inquiète pas. D'accord, monsieur. Merci, mon beau-fils. Hey, oh. Aïe. Qu'est-ce que c'est? Merci, mon Dieu. Hey! Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Mon beau-fils! Sois prudent, mon beau-fils. Hey! Bon voyage. Hey! Inkeshidere! Je ne lui dirai pas qu'il m'a donné de l'argent. Je ne lui dirai pas. Inkeshidere! Viens, nous avons un beau-fils. Un bon mari pour jour. Viens! Inkeshi! Bien, oh, j'ai prévu un mari pour aujourd'hui. Hey. Je croyais qu'on avait conclu qu'elle finira avec ses études. Tout ce que nous avons décidé a été dépassé par les événements. Je ne comprends pas. Tu vas comprendre. Appelle-moi ta fille. Ah, Ojo. Ojo. Maman, j'arrive. Oh. Maman, me voici. Un jour, un jeune homme qui vient de partir d'ici s'intéresse tellement à toi. Tellement. Hein? S'intéresse à moi? Comment ça, papa? Papa, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Il veut t'épouser. Hein? M'épouser? Mais papa, je pensais que... Penser à quoi? À quoi veux-tu penser? Penser à quoi? Tu pensais à quoi? Quoi que tu aies pensé n'a pas d'importance ici. Je parle d'une personne qui s'intéresse tellement à t'épouser. Le genre d'homme que toutes les femmes aimeraient avoir. Tu es là à penser. À penser à quoi? Mais papa, te soucies-tu même de ce qu'il fait dans la vie? Ce qu'il fait dans la vie n'a pas d'importance. Parce que le monsieur se débrouille suffisamment bien. Ce qu'il fait dans la vie est bien. Alors, il veut t'épouser. Papa, je veux juste que tu saches que je ne vais pas me marier avec lui. Point final. D'accord, donc nous faisons un défi maintenant. D'accord, donc tu me défies maintenant. Non, papa. Mais papa, je te l'ai déjà dit. Je veux poursuivre mes études. Et c'est tout réfléchi. Je ne veux pas me marier pour le moment. Je te l'ai déjà dit. Hein? C'est une bonne idée. Tu veux poursuivre tes études. D'accord, tu vas poursuivre tes études. Oui, va poursuivre tes études. Mais à présent, tu vas poursuivre tes études avec ton argent. Tu vas devoir t'occuper de tout. Hein? Maman, parle à papa. Papa! Hors de ma vue. Naï. J'ai dit hors de ma vue. Oh, Naï. N'y pense même pas. Ne parle même pas du tout de ça. Si tu étais une mère observatrice, tu es censé te poser les questions de savoir qu'est-ce qui se passe. Comment se fait-il que personne ne vienne demander la main de Gozi? Oui. Oui, je suis allé chez eux, moi. Je suis allé chez eux, moi, à cause de ça. Tu es allé chez eux, moi. Faire quoi? Je suis allé chez eux, moi, pour savoir pourquoi. Et Ozumwe m'a dit clairement que personne ne peut actuellement la marier. Que c'est Ojo qui bloque Gozi. Hey!
Ojo est celle qui bloque Ngozi. Comment? Oui, ce qui veut dire que personne ne viendra demander la main de Ngozi. Sauf si Ojo se marie. Ojo doit se marier avant que quelqu'un ne vienne demander la main de Ngozi. C'est à cause de ce genre de sort qu'elle est là. Tu ne croirais jamais à ça. Je ne croirais jamais à ça à cause de Izemu. Hein? Le seul rapport auquel je croirais, c'est celui de Dieu. Quand ça sera le temps de Dieu, les deux se marieront. Ce n'est pas encore le temps de Dieu, Unai. Je ne veux pas avoir des problèmes avec Dieu. Mais ce que je te dis est que, quoi que dise ton pasteur, je n'y crois pas. C'est à Uzumwe que je crois. Et quand ça sera le temps de Uzumwe, tout fonctionnera. Que veux-tu me dire? Tu connais l'homme dont je parle? Sais-tu à quel point il est puissant? Tu me racontes des bêtises. Qui est ton pasteur? Le temps des Izumwe. C'est toi qui dis ces bêtises? Oui, je le suis. Quand ça sera le temps des Izumwe, tout ira bien. C'est pas encore le temps des Izumwe. Oui! Qui est ton pasteur devant Izumwe? Tu me racontes des bêtises. C'est impensable. Qu'est-ce que j'ai fait à mon père? Quel genre de frustration est-ce? Qu'est-ce que j'ai fait? Ojo, tu es là à pleurer, hein? Pourquoi t'infliges-tu ça? Écoute, je comprends ce que tu es en train de traverser, mais tu dois pouvoir te calmer. Pourquoi papa me fait ça? Pourquoi papa me traite-t-il de cette façon? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça va aller. Je vais aller à l'intérieur pour parler à papa. Je sais qu'il va m'écouter. Arrête de pleurer, d'accord? Je ferai mieux. Et je prie qu'il t'écoute. Et s'il ne le fait pas, je m'enfuirai de cette maison. Non. J'irai très loin et personne ne me trouvera. Je m'enfuirai. J'irai très loin. Non, nous n'en sommes pas encore là. Ne t'inquiète pas, je vais lui parler maintenant. J'irai à l'intérieur pour lui parler. Je sais qu'il m'écoutera, d'accord? Tu ferais mieux. Je ne veux pas me marier. Naï, il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. Je t'écoute. J'ai pensé à quelque chose la nuit dernière. Ce jeune homme qui vient aujourd'hui, celui qui demande la main de ta fille en mariage, je pense que nous devons lui parler de l'éducation de notre fille. Je veux dire, après le mariage et tout, il devrait renvoyer notre fille à l'école. Je ne pense pas de cette façon nous pourrons faire d'une pierre deux coups. Tu as raison, mon épouse, tu as raison. Mais tu sais qu'Ojo est têtu. Je vais lui parler. Je lui ai dit ça. Et qu'a-t-elle dit? Tu sais, Ojo, avec cette histoire, elle n'a rien dit. Je suis sûre qu'elle va aimer cette option, même si elle n'a rien dit. Dans ce cas, ce n'est pas un problème. Tout ce que je ferai est que, dès que le jeune homme viendra, je lui ferai comprendre. Bien, c'est rassurant. Je ne savais pas que tu pouvais aussi bien réfléchir. J'apprends. Ma tendre épouse. Oh, regarde, c'est lui qui arrive là. C'est lui qui arrive là. Peux-tu imaginer? Va la chercher. C'est très va bien. La chercher. Ougogo. Ago Buchuane. Mon beau-fils. Ogo Buchuane. Henri. On parlait juste de toi. Belle-mère. Sois le bienvenu. Hein? Bienvenue, on parlait juste de toi à l'instant. Hey, sois le bienvenu. Bienvenue. Alors, comment se porte tes gens? Oh, gloire à Dieu. Formidable. Bien, vu que tu es là, je vais aller pour te but. Tu sais, ma fille, elle va encore à l'école. Ce qui est vrai, elle terminera le secondaire ce trimestre. Oui. Monsieur, je comprends votre point de vue. Si vous parlez des frais de scolarité, je m'en occupe. Ne vous inquiétez pas pour ça. Oui. Il n'y a aucun souci. Il nous bien ce que tu as entendu. Il nous doit. C'est exactement de ça que nous étions en train de parler. Hein? C'est bien. C'est bien. Ce n'est rien de grave. Je veux dire, vous ne devriez pas vous inquiéter.
Je peux gérer ça. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Je vais m'en occuper. Ne vous inquiétez pas. Dieu m'a vraiment béni. Dieu s'est vraiment souvenu de moi en m'envoyant un beau fils comme toi. Je suis si heureux. La seule chose que je veux que tu saches est... Une fois que tout est clair maintenant, une fois que ta famille et toi souhaitez venir, fais-nous juste savoir. Mm-hmm. Donnez-moi la date. Vous êtes les bienvenus. Écoutez, beau-père, soyez pas inquiet, d'accord? J'ai l'habitude de payer les études de mes frères. Combien de fois celle de ma femme, ma future femme? Ne vous inquiétez pas, je peux gérer. D'accord? D'accord. J'apprécie vraiment. Merci, maman. Merci. Dépêche-toi. J'arrive. Maman, je pense. Je pense qu'il est temps que je parte. Comment va ma... Ta femme? Oui, ma femme. Elle est à toi. Je vais te donner une piège. Je sais que vous l'avez bien éduquée. Car quand j'ai voulu l'aborder le long de la route, elle s'est enfuie. Si c'était d'autres filles, elles allaient se précipiter. Non, vous voyez, mettez en avant la voiture. Oui. C'est pour ça que je l'ai suivie. C'est pour ça. Je l'ai éduquée comme ça. Je vois, je vois. Inem. Oui, maman. Je veux que tu saches que nous voulons ce qu'il y a de mieux pour toi. Henri nous a promis qu'il t'inscrira à l'école. Pas seulement le secondaire, mais l'université aussi. Tu iras à l'école et tu réussiras. Maman, comment es-tu sûre qu'il tiendra parole? Tu sais bien qu'on ne peut pas faire confiance aux hommes. Je fais confiance à Henri. C'est un homme intègre. Je lui fais confiance. Maman, comment peux-tu parler d'intégrité? Hein? Quelqu'un que tu ne connais pas si bien. Ok. Pourquoi ne pas lui donner une chance? Et si ça ne fonctionne pas? Ça fonctionne, je suis sûre de ça. Je veux que tu sois optimiste. Ce jeune homme t'aime tellement. Ne gâche pas cette opportunité, s'il te plaît. Et il t'a promis de te payer l'école, de te renvoyer à l'école et tout. Et en plus, qui ne voudrait pas une femme comme avocate? Ne gâche pas cette opportunité, s'il te plaît. Tu n'auras pas d'autre occasion. Maman, je n'ai pas d'autre choix. Puisque papa et toi avez déjà pris votre décision. Ne le vois pas de cette façon. Ne le vois pas de cette façon. Ton papa t'aime tellement. Et nous voulons le meilleur pour toi. Hein? Mon bébé, pense-y, ok? Oh, Minano, pense-y. Tu deviendras notre avocate. J'ai compris. Je te fais confiance. Quand je donne des directives, vous devez écouter. Vous avez presque failli gâcher l'affaire. Allez, quand je dis de suivre mes instructions, de faire ceci ou cela, vous devez écouter. Hé, la nana. Pote? Ma pote, prends place. Comment tu vas? Je vais bien. Bébé. Viens là. Tu vas bien? Je vais bien. Super bien. Ok. Alors? Eh bien, je t'ai appelé ici pour te faire savoir que je me rendrai au village. Bientôt. J'espère qu'il n'y a aucun problème. Non, pas du tout. Ok. Si tu le dis. Mais bébé, tu dois faire très attention. Rappelle-toi que t'es un fugitif. Ouais, je sais. Mais t'aurais même pas dû me demander de venir ici. Je veux dire, c'est quelque chose dont on pouvait juste en parler au téléphone. Je l'ai fait parce que... Parce que tu m'as manqué. Tu sais que tu me manques plus. Viens là. Merci. Bien alors, il faut que je parte maintenant. J'ai quelques rendez-vous à rattraper. Donc, je t'en prie, prends soin de toi. D'accord. Toi aussi, je garde un œil sur toi. Fais-moi confiance. Bien. Ok, bye. Gare. À plus tard. Je sais que tu n'es pas heureux d'épouser une autre femme. Je ne pourrai jamais être heureux. J'aimerais
J'aimerais juste pouvoir éviter cette condition. Je te dis. Tu as besoin d'enfant. C'est évident qu'elle ne peut pas concevoir. Ouais. Tu sais, la dernière fois qu'elle a eu un accident. Le docteur m'a dit qu'elle ne pouvait plus concevoir, mais elle n'est même pas au courant de ça. Honnêtement, j'aimerais pouvoir éviter cette situation. Je le souhaite vraiment. Meg, je te comprends. Mais comme je l'ai déjà dit, tu as besoin d'enfants. En fait, c'est ça. Oui. Comme je le disais à propos de la dernière opération, je vous ai donné la carte. Là. Debout. Salut. Je t'attendais dans la chambre. Que fais-tu encore ici? Oh, désolée, je me suis endormie. Alors, pouvons-nous y aller et... Non, ne t'inquiète pas. Tu peux y aller. Je viendrai plus tard. D'accord, pas grave. On peut toujours avoir du plaisir ici. Je ne sais pas vraiment ce que tu entends par plaisir, mais si c'est ce à quoi je pense, je ne l'ai jamais fait. Je ne sais même pas comment m'y prendre. Allez, attends. Je ne sais pas comment m'y prendre. J'ai peur, je ne sais pas. Non, c'est compris. Très bien. D'accord. Je serai dans la chambre. Je t'attends. Oh, mon mari, tu t'en vas déjà? Ton repas est prêt. Je ne mange pas à la maison, je n'ai pas faim. Hein? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Es-tu sourde? J'ai dit que je ne mange pas à la maison. Cuisine ce que tu veux et mange. S'il te plaît, excuse-moi. S'il te plaît, je suis désolée. Pour ce qui s'est passé cette nuit, pardonne-moi.
Réveille-toi, réveille-toi. Bienvenue, chérie. Ôte tes vêtements. Hein? Je viens de te saluer et tu me demandes d'ôter mes vêtements. Madame, dépêche-toi, ôte tes vêtements. Pourquoi? Dépêche-toi. Je comprends pas. Non, pour courir et jouer. Ôte tes vêtements, ma chère. S'il te plaît, chérie, explique-moi bien les choses. Tu sais que je ne sais pas comment m'y prendre. Je t'en prie, chérie, lâche-moi, je t'en prie. Arrête, lâche-moi. Je ne peux pas croire que je ne suis plus vierge. Je ne peux pas croire que je viens juste d'être déflorée. Je ne peux pas y croire. Ma virginité. Je n'aurais jamais cru que je serais déflorée de cette façon. Jamais. Mon Dieu. Ma virginité. Ma virginité. Je te cherchais. Tu vois cette chambre près de la tienne, hein? Hein? Oui. Je ne veux pas te voir rôder autour, peu importe ce qui arrive. Je ne veux pas te voir rôder autour, est-ce que je me fais bien comprendre? Oui. Mais, pourquoi? Es-tu stupide? Non, es-tu malade? Non. Tu remets en question mes ordres? Es-tu stupide? Maintenant, écoute très bien. Tant que tu vis dans ma maison, tout ce que je dis est valable, hein? Oui, d'accord. S'il te plaît, je voudrais te parler. Je ne sais pas si je peux... Parle, je t'écoute. Maintenant ou plus tard. Tu n'es presque jamais à la maison. Tu peux parler, j'écoute. C'est à propos de mes études. Tu n'as plus rien dit concernant le fait que je dois retourner à l'école. Alors tu ne sais pas que tu es une femme mariée? Oublie ça. Mais ce n'est pas ce que tu as. Je sais ce que j'ai dit à tes parents. Je sais ce que je leur ai dit, mais il y a eu quelques imprévus, d'accord? Merci. Qu'en est-il de mon téléphone? Est-ce que tu vas me le rendre? Je ne te le rendrai plus. Oublie aussi ton téléphone et ne me pose plus de questions. Ainsi que se terminent mes rêves. C'est comme si ma vie est détruite. J'ai toujours rêvé d'être avocate. J'ai toujours souhaité être avocate. Mais aujourd'hui, je n'ai même plus espoir pour demain. Je n'ai même plus d'espoir dans cette maison. Oh mon Dieu, papa, papa, où que tu sois, je veux que tu saches que tu as causé ceci. Tu es la cause de ce que je vis maintenant. Tu es la raison pour laquelle mon rêve est brisé. Depuis combien de temps maintenant? Je n'ai pas eu les nouvelles de ma fille Ojo depuis son mariage. Et mon mari ne se soucie même pas du tout. Je ne sais même pas si elle est encore en vie ou si elle est déjà morte. Dieu, ne laisse rien de mauvais arriver à ma fille Biko.
Chérie, s'il te plaît, je voudrais que tu m'emmènes à l'hôpital. Je ne me sens pas bien. Pardon, tu es aveugle? Non, ne vois-tu pas que je suis sur le point de sortir? J'ai un rendez-vous important à rattraper. Tu vas bien? Ah, chérie, quel rendez-vous est plus important que la santé de ta femme et de ton enfant à naître? Tu racontes des bêtises. Tiens ça. Prends. Tu veux prendre un taxi? Eh bien, je crois que tu ne comprends pas à quel point il est important de gagner de l'argent de nos jours. J'ai besoin de ceci. Et si tu ne prends pas celui-ci, je vais le prendre et tu marcheras jusqu'à l'hôpital. Oh, retire tes vêtements. Bienvenue, chérie. Retire tes vêtements. Je ne... Retire ta robe. Ah, ah. Chérie, mais je t'ai dit ce matin que je ne me sentais pas bien. S'il te plaît, aie pitié de mon état. Je suis enceinte. Foutaise. Hein? Ruth. Ah, notre bébé, je suis enceinte. Arrête, Henri. Bonjour. Qui êtes-vous et que puis-je faire pour vous? Où est Henri? Il est sorti. S'il vous plaît, qui êtes-vous? Vous vous êtes? Je suis sa femme. Écoute, bébé, crois-moi, je comprends ce que tu ressens et je vais t'expliquer. Donne-moi juste une chance de t'expliquer. Non. Tu n'as pas idée de comment je me sens. Et tu n'as rien à expliquer. Comment as-tu pu? Comment, après tout ce qu'on a vécu? Allez, tu es celle que j'aime et non cette fille. Pourquoi ne veux-tu pas comprendre ce que je te dis? Qui fait attention si tu l'aimes ou pas? Cette femme dans ta maison est enceinte de toi. C'est le but. Cette fille porte mon enfant. C'est le but. Je l'ai épousée pour qu'elle me fasse des bébés. Rien de plus. T'es en train de me dire, indirectement, que je ne peux pas concevoir? Allez, pourquoi vas-tu penser de la sorte? Ce n'est pas ce que je veux dire. Ce n'est pas ce que je veux dire. Alors, que veux-tu dire? Bébé, écoute, d'accord. Ne m'appelle pas bébé. Ne m'appelle pas ainsi. Henri, t'es sans cœur. T'as suggéré que nous vivions séparés. Et j'ai accepté sur la cause que tu es un fugitif. Ne sachant pas que t'avais d'autres intentions dans ta tête. Henri, t'es un serpent. Tu es sans cœur. Bébé, écoute, écoute. Peux-tu juste me comprendre? Nous allons résoudre ce... La seule manière d'arranger ceci, c'est de la mettre dehors. Parce que je peux pas le supporter. Je suis désolée, c'est totalement impossible. Je veux dire, tu sais bien qu'elle porte mon enfant, il n'y a pas moyen de... Je ne J'ai peux pas. J'ai dit, je ne peux pas le supporter. Bébé, je ne peux pas la renvoyer parce qu'elle porte mon enfant. C'est le deal. Bien, réfléchis sérieusement. Les gars, dans l'état actuel des choses, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur cet homme. Alors nous devons encercler le périmètre pour qu'il n'échappe pas à notre embuscade. Me suis-je bien fait comprendre? Patronne, ça va? Je vais bien. Mais tu ne... Dave! Focus. Ok, boss. Comme je le disais plus tôt avant d'être interrompu, nous devons encercler le périmètre pour que le gibier n'échappe pas à notre embuscade.
Dave, Italian et toi resterez. Vous resterez devant l'entrée. Pendant que Sophia et moi entrerons, si quelqu'un essaye de sortir, collez-lui une balle. Avez-vous compris? Oui. Oui, qui est-ce? Vous encore? Qu'est-ce que vous voulez? Je te donne 24 heures pour quitter cette maison. Pourquoi devrais-je libérer la maison de mon mari? Parce que Henri est mon mari. De quoi est-ce que vous parlez? Je ne suis pas ici pour m'expliquer devant toi. Encore moins échanger les mots avec toi. Je suis là juste pour t'avertir de partir. Au cas contraire, tu feras face à de graves conséquences. Si vous voulez vous marier, il y a plein d'hommes là-dehors, hein? Vous pouvez vous marier avec l'un d'eux. Et arrête de courir après les hommes mariés, hein? Tu as juste 24 heures. Ne m'as-tu pas dit que tu étais mariée? Pourquoi es-tu si cruelle? Je te demande pardon. Écoute, la fille qui est venue ici l'autre jour, elle était ici aujourd'hui. Et elle m'a demandé de libérer cet endroit. Je n'aurais pas eu de problème avec elle si elle ne m'avait pas giflé. Eh bien, peut-être que tu as fait un truc qui l'a poussée à te gifler, donc. Ah? Oui. Je ne peux pas croire que tu viens de me dire ça. Sais-tu que tu es cruelle? Tu es sauvage! Je te demande pardon, es-tu folle? Oh, si telle est ta compréhension du mot folle, alors oui, je suis folle! Tu es méchant, je te déteste! Non, es-tu? Es-tu malade? À qui parles-tu ainsi? Es-tu? Henri, s'il te plaît! Henri, je suis enceinte! Une fille que j'ai ramassée, ou... Ne t'inquiète pas tant que je revienne. Je vais. Ok. Quel est ton problème? Non, dis-moi! Pourquoi dois-tu venir jusqu'à chez moi pour affronter ma femme? Pourquoi? Que je sois honnête avec toi. Rien n'a encore été réglé. Elle doit partir. Mais elle ne le fait pas. Je la ferai partir. Une minute, c'est une menace? Non, est-ce une menace? Peut-être que toi et moi comprenons cela différemment. Tu es vraiment drôle, mais je dois te dire que je n'aime pas le ton avec lequel tu me parles. Je n'aime pas. Henri, tu peux essayer tout ce que tu voudras. Mais je me suis bien fait comprendre. Écoute, bébé, écoute. Écoute, ok? Je... Wow. Tu as soudainement pensé à m'appeler, hein? Écoute, j'essaye de t'expliquer quelque chose. Demain est un grand jour. Je veux que tu sois dans un bon état d'esprit pour que ce soit une totale réussite. Oublie ces histoires, nous pouvons les régler. Plus tard, c'est ce que j'essaye de dire. S'il te plaît. Je peux marcher et parler simultanément.
Oh, wow. Ça, c'est vraiment la totale. Maintenant, écoutez. Cette embuscade n'est pas un jeu d'enfant. C'est vraiment du sérieux. Et nous devons le prendre au sérieux. Aucune erreur n'est tolérée. Les gars, en allant à cette guerre, nous allons revenir victorieux. Nous sommes des lions. Et quand nous y arriverons? On va tous les abattre, boss. Tout le monde courra. Avez-vous compris tout ce que j'ai dit? Dois-je me répéter? Non, boss. Dois-je le dire encore une fois? Quel voyage! Ah. Avance. À genoux. L'argent. Il dit qu'il n'a pas d'argent. Si j'avais de l'argent, je vous l'aurais donné, je jure. Je n'ai pas d'argent, à l'intérieur, honnêtement. Assieds-toi. Je le jure. Je le jure devant Dieu, je n'ai pas d'argent, je le jure. L'argent. Je le jure. S'il vous plaît, j'ai de l'argent, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. J'ai de l'argent, je vais vous le montrer. L'argent. Je vais vous le montrer, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Ne me tuez pas, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. Avance! Je vais vous le montrer, j'apporte de l'argent. Aïe! Ah! Je vous donne cet argent. Killer? L'argent. Je l'ai. Bougeons. Thank you.
Retourne-toi. Non, s'il vous plaît. Tourne-toi. Je me tourne. Ah, mon fils, s'il vous plaît, ne me tuez pas, s'il vous plaît. Je vous ai donné de l'argent. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Ne me tuez pas. Je ne vous trahirai pas, s'il te plaît. S'il te plaît, mon fils. Je t'en prie. Mon fils, je t'en prie. Tu n'as pas besoin de me tuer. Oublie les supplications. Je t'en prie. Ne me tuez pas. Maintenant, écoute-moi. Si tu ne quittes pas cette ville avant deux jours, tu seras responsable de ce qui t'arrivera. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit que je serai responsable de ce qui arriverait si je ne pars pas dans deux jours. Et qu'as-tu à dire? Je vais partir. Je dois partir. Maintenant, cours. Je ne veux pas te voir rôder autour, peu importe ce qui arrive. Je ne veux pas te voir rôder autour, est-ce que je me fais bien comprendre? Oui, mais pourquoi? Es-tu stupide? Non, es-tu malade? Que fais-tu ici? Je pensais t'avoir averti de ne jamais ouvrir cette porte. Alors tu es un criminel? Ton secret est dévoilé aujourd'hui. Écoute, je vais directement au poste de police pour te dénoncer. Tu es une peste! Ceci est en arrêt de mort. Ah, je ne peux pas croire que je vivais avec un criminel tout ce temps. Sophia! Non! Nai, Ojo. Ojo, maman. Ne prononce plus jamais mon nom. Tu te dis être mon père, n'est-ce pas? Tu te dis être mon père. Je veux que tu me regardes très bien. Dis-moi à quoi je ressemble.
as-tu voir les résultats d'avoir poussé quelqu'un à se marier à cause du profit? Tu m'as obligée à me marier à un démon qui se dit être humain. Papa, n'es-tu pas méchant? N'es-tu pas cruel? Papa, à cause de toi, j'ai traversé le pire. J'ai été traumatisée. J'ai été maltraitée. J'ai perdu mon bébé. Tu sais quoi? Je ne te pardonnerai jamais. Je ne te pardonnerai jamais. Ah. Ojo, le monsieur t'a dit... Ah. Naï. Naï. Tiens, 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 tiens bon, tiens bon. C'est ok, 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 c'est ok. Relax, relax. C'est bon, c'est bon. Ok, s'il te plaît. Hey, hey. Oju, Oju, viens m'aider, non? Naï, Naï, ne fais pas ça, non? Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Oju, Naï, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, non? Aïe, Naï, ne fais pas ça.